Eh bien, cher frère, amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Dit Jésus au bon larron. Mes chers amis, quel contraste il y a entre les chefs des prêtres, les soldats, le mauvais larron qui tourne en dérision Jésus qui se moque de lui et le bon larron, lui qui commence par se confesser. Nous, c'est normal ce que nous subissons. Nous n'avons que ce que nous méritons, mais lui, il n'a rien fait de bon. Et ensuite, il s'en remet en toute confiance en sa miséricorde. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Il commence par confesser ses péchés et ensuite, il lui demande d'accueillir sa miséricorde. Quel contraste saisissant. Deux chemins qui s'ouvrent pour l'homme, celui de la perdition et celui du salut. La foule, où est-elle? Celle qui a acclamé 5 jours plus tôt le roi des Juifs, Hosanna au fils David. Elle s'est évanouie. Où est-elle? Pire, elle s'est retournée contre lui, contre Jésus, en vociférant devant Ponce Pilate, crucifie-le, crucifie-le. Cette foule inconstante est absente. Elle ne se sent pas concernée par l'événement. Et pourtant, personne ne peut être indifférent à cet événement, car c'est l'événement le plus important que la terre ait porté, puisqu'elle est la source même de notre salut. Alors, mes chers amis, Jésus vient instaurer un règne. En ce jour de la solennité du Christ roi de l'univers, nous avons cet évangile qui met devant nos yeux le Christ en croix. Car, mes chers amis, le Christ a épousé comme trône la croix. Il a dit d'ailleurs, avant même de quitter cette terre, « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il est élevé sur le bois de la croix, et c'est de la croix que va germer le royaume de Dieu. Mes chers amis, ce n'est pas quand Jésus est tout-puissant, comme n'importe quel roi de ce monde, empereur ou président, je ne sais quoi encore, dirigeant de ce monde, qui forcément a un territoire donné, avec une armée à ses bottes, une administration et tout un tas de personnel autour, qui l'entoure, avec des sujets de ce royaume qui sont bien sûr dans l'obéissance stricte de la loi qui est imposée. Jésus n'a pas ce genre de royaume, et de plus, ce royaume n'est pas du tout de conditions terrestres et temporelles, comme tous les royaumes qui un jour forcément finissent par s'estomper et s'arrêter. Celui du Christ, il est éternel. Il n'a pas de fin. Et il ne règne pas sur des sujets, il règne dans les cœurs. Il vient instaurer un règne dans les cœurs. Et justement, il ne l'instaure pas quand il est tout puissant, quand il paraît invincible. Au contraire, il va l'instaurer dans sa mort. Aussi paradoxal que ça puisse être. D'ailleurs, quand Jésus dit « aujourd'hui », les chefs des prêtres qui entendent ça, ils doivent se dire « celui-ci, il est quand même barjot ». Parce qu'il est ligoté, il est attaché sur une croix, il va mourir dans quelques secondes, et il dit « aujourd'hui, il va instaurer son royaume ». Ça paraît complètement anachronique, la situation dans laquelle il se trouve. Puisqu'on est habitué à voir des rois puissants quand ils sont tout puissants pour régner et non pas quand ils sont sous la coupe de quelqu'un. Et en l'occurrence, les Romains ont cloué Jésus sur la croix
Et voilà que ce n'est pas de manière visible, éclatante, que le royaume de Dieu va être instauré. C'est tout simplement sur le bois de la croix, lorsqu'il va rendre son dernier soupir. Juste après qu'il ait dit « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis », Jésus va dire « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et il va expirer. Il va mourir. Vous pouvez essayer, vous verrez, ça ne marche pas. Pour vous, ça ne marchera pas. Dites aujourd'hui, Seigneur, entre tes mains, je me remets mon esprit. Vous verrez qu'après, vous vivrez encore. Mais Jésus, lui, il meurt. Et il ne meurt pas parce qu'il a été mis à mort. Il ne meurt pas par épuisement. Il ne meurt pas parce que la souffrance est telle, à son comble, qu'il finit par finalement succomber à ses blessures. En aucun cas, nous sommes devant ce genre de mort. Jésus n'est pas tué et ne subit pas la faiblesse de sa chair qui finit par tomber. Non. Il meurt parce qu'il aime. Il aime jusqu'à en mourir. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Autrement dit, je remets ma vie qui va forcément déboucher sur la mort parce que mon âme humaine, je la remets entre tes mains. Donc elle va se séparer de mon corps. Je la remets dans ma toute puissance, je la remets entre tes mains, parce que je meurs par amour pour ces âmes pour lesquelles je suis venu donner ma vie. Et c'est là qu'il est puissant. La puissance du Christ, elle se trouve non pas lorsqu'il est puissant comme n'importe quel homme de cette terre, il est puissant quand il meurt sur une croix. Là où personne ne peut le rejoindre, car personne ne peut avoir cette puissance-là de remettre son âme entre les mains du Père, par amour pour les âmes. Et quelques instants plus tard, nous sommes le vendredi saint, la veille du sabbat. Le jour commence à tomber, et dès que le jour est tombé, le sabbat commence. Et de plus, le sabbat va s'avérer être cette année-là le jour de la Pâque juive. Donc, à plus forte raison, il ne faut aucun cadavre qui gise sur les gibets des croix pendant ce temps du sabbat et de la fête de la Pâque juive. Il faut absolument enlever ces corps. Et pour abréger la mort de ces hommes, eh bien, on va leur briser les os pour les deux larrons qui sont encore en vie. Pour Jésus, ce n'est pas la peine. Il est déjà mort. Donc, on ne lui brisera pas les os. En brisant les os, les corps vont s'affaisser. Ils ne pourront plus s'appuyer sur leurs jambes pour se relever et respirer. Ils vont donc mourir par asphyxie dans atroces souffrances. C'est le pire instrument de mort qui existe dans l'Antiquité. Il était réservé aux criminels. Et Jésus était considéré comme un criminel. Mais lui, déjà mort. Alors, le soldat va prendre sa lance, comme pour vérifier sa mort. Va transpercer le cœur de Jésus, d'où va s'échapper l'eau et le sang. Ainsi, le nouvel Adam, celui qui est tombé dans le sommeil de la mort, va voir sa côte transpercée, d'où va jaillir la nouvelle Ève, l'épouse du Christ, l'épouse du nouvel Adam, la Sainte Église de Dieu. C'est à ce moment-là qu'il instaure son royaume. Précisément à cet instant-là, concomitant avec le glaive de douleur qui transperce le cœur de la Vierge Marie. À ce moment-là, le Christ est victorieux. Il est pourtant mort, mais il est victorieux. La puissance du Christ va s'avérer être là. Quand tout paraît être un échec cuisant, quand tout le monde se moque, il en a sauvé d'autres qui se sauvent lui-même parce qu'il a fait de nombreux miracles et voilà qu'il se trouve pris au piège pour tous ces gens-là qui pensent cela, ces pharisiens, ces chefs des prêtres, ces scribes. Ils ne comprendront rien. Mais un païen, le centurion romain, au pied de la croix, va avoir une lueur, la lumière qui va inonder son cœur. Celui-ci
était vraiment le Fils de Dieu. La foi seule pouvait lui dire cela, faire dire cela. Vous voyez, mes chers amis, c'est à ce moment-là qu'il instaure son règne. Et donc son règne est un règne d'amour. Pour en faire partie, nul besoin d'avoir des diplômes, nul besoin d'avoir bac plus 15 ou 20, nul besoin d'avoir des charismes, des dons particuliers. Il suffit d'aimer. Il suffit d'aimer. D'ouvrir son cœur à la grâce de Dieu. De laisser son cœur inondé par l'amour de Dieu. Et c'est en ce sens-là que Jésus dit « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux ceux, en quelque sorte, qui ouvrent leur cœur pour que moi je puisse demeurer en eux, afin que le royaume des cieux soit en eux. Car Jésus est le royaume des cieux. Il consiste à laisser vivre le Christ en moi. Les pauvres de cœur, mes chers amis, c'est ce que nous devons cultiver dans notre cœur, être un pauvre de cœur, pour que Dieu puisse demeurer dans notre cœur. C'est cela le royaume de Dieu. Et bien sûr, la Vierge Marie en est l'éminente personne de ce royaume, de telle sorte qu'elle devient en même temps la fille de ce royaume, la fille du Père, la fille de l'Église, tout en étant en même temps, par la mission qu'elle a reçue de son Fils, la mère de l'Église, la mère de ce royaume, car elle est là pour nous aider à accueillir le royaume de Dieu dans notre cœur. Alors demandons-lui son intercession pour que nous puissions ainsi laisser le royaume de Dieu s'installer dans notre cœur. Ce n'est pas nous qui le ferons germer, c'est Dieu qui le fera germer en nous. Mais il ne peut le faire que si notre cœur s'ouvre, que comme le bon larron, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu inaugures ton règne, quand tu vas l'inaugurer, quand je vais mourir, quand je vais passer de cette vie à l'éternité, que je puisse ainsi vivre en plénitude le royaume de Dieu. Que je commence déjà à vivre ici-bas dans la foi, que je puisse le vivre en plénitude dans l'éternité. Amen.